Hey salut, c'est Jeanne pour InCellulo. Il y a quelques mois, t'as peut-être entendu parler d'une nouvelle surprenante, la naissance du premier bébé avec 3 ADN. Alors est-ce que ça veut dire que les mutants de type X-Men sont enfin proches? Moi je suis plutôt pour. Spoiler alerte, non, désolé. Allez viens, on rentre dans la cellule et on va voir comment ça marche. Il y a un peu plus d'un an, le premier bébé comportant l'ADN de 3 personnes a vu le jour. Mais pas la peine de paniquer, c'était pas la naissance du premier super-vilain. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'ADN, on l'a présenté la dernière fois. Dans le noyau, on a une longue séquence de 4 lettres A, T, G et C, reliées par une structure en sucre et assemblées en paires pour former une échelle. En gros, ta séquence ADN, elle contient toutes les informations qui permettent de construire un humain en entier de type toi. Donc forcément c'est très long. 6 milliards de lettres! Si on dépliait entièrement la séquence ADN d'une seule de tes cellules, on obtiendrait un brin de 2 à 3 mètres. Sauf que la cellule humaine, elle fait de 10 à 30 centièmes de millimètre, et le noyau seulement 6 centièmes de millimètre. Toute personne ayant déjà rentré un duvet dans un sac trop petit comprend l'ampleur du problème. T'as intérêt à être bien organisé pour rentrer tout ça. Pour ça, l'échelle ADN s'organise en forme de double hélice. Elle s'enroule ensuite autour d'un assemblage de 8 protéines, appelées les histones, et s'organise en une structure appelée collier de perles. Un histone supplémentaire permet la compaction de ce collier de perles en une fibre, qui elle-même forme des superstructures, de nouveau fortement compactées, puis organisées en chromosomes. Nous les humains, on a 23 paires de chromosomes, comme les 46 bouquins de notre grosse encyclopédie. Mais avoir plus de chromosomes veut pas forcément dire être plus évolué, hein. Parce que par exemple, les patates ont 48 chromosomes, et les poissons rouges peuvent en avoir jusqu'à 102. Et donc tu as déjà probablement entendu que tu as hérité la moitié des chromosomes de ta mère et de la moitié de ton père. Au moment de la fécondation, le pronoyau du spermatozoïde, qui contient les chromosomes paternels, rentre dans l'ovule, qui contient déjà les chromosomes maternels. Les deux fusionnent et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, ça fait toi, quoi. La cellule œuf, juste après la fécondation, va dupliquer son ADN et se diviser en 2 cellules identiques qui contiennent exactement le même ADN. Ce processus de division cellulaire va se dérouler encore et encore pour passer de une cellule à toutes les cellules qui font ton corps aujourd'hui. Donc bon, là, on a l'ADN qui provient de 2 personnes, ton père et ta mère, dans le noyau. Mais le troisième, il vient d'où? Alors là, on va sortir du noyau et s'intéresser à un autre compartiment de la cellule, la mitochondrie. Elle a plusieurs fonctions très importantes dans la cellule, comme par exemple la production d'énergie. Mais aujourd'hui, je vais surtout te parler de son origine. Attention, révélation! La mitochondrie, c'est une bactérie à l'intérieur de nos cellules. C'est what? Bon, ça l'est plus vraiment, mais à l'origine, ça en était. Il y a très très longtemps, 1,45 milliard d'années, une bactérie est entrée dans un de nos ancêtres unicellulaires. Et elle n'a pas été éjectée, mais a été autorisée à rester, puisqu'elle a commencé à aider la cellule en lui fournissant de l'énergie. Les deux ont alors évolué ensemble en endosymbiose, c'est-à-dire que chacune tirait profit de l'autre. Une bactérie, c'est un petit organisme unicellulaire. Elles n'ont pas de noyau, mais elles contiennent quand même un ADN qui est beaucoup plus petit que le nôtre et qui est circulaire. Pas besoin de bien ranger en chromosomes, puisque la séquence est toute petite. D'ailleurs, l'origine bactérienne de la mitochondrie permet de mieux comprendre sa structure. Il s'agit d'une double membrane, la membrane externe correspondant à la membrane de la cellule hôte d'origine, et la membrane interne correspondant à la membrane de la bactérie originelle. Et à l'intérieur, on retrouve donc un ADN court et circulaire. Au cours de l'évolution, la bactérie mitochondrie a transféré certains gènes dans l'ADN du noyau et en a perdu d'autres qui n'étaient plus nécessaires, puisqu'elle survivait grâce à la cellule hôte. Aujourd'hui, les mitochondries ne sont plus vraiment des bactéries, puisqu'elles ont perdu la capacité de survivre ou de se développer en dehors de nos cellules. Leur ADN est devenu très court, de seulement 16 500 bases, et ils ne codent plus que pour 37 gènes. Tout petit! Mais bon, c'est pas la taille qui compte, parce que les mitochondries, elles ont plusieurs rôles clés dans nos cellules. Et une autre particularité des mitochondries, c'est qu'elles ne sont transmises que par les femelles. En effet, le sperme contient très peu d'ADN mitochondrial. En revanche, l'ovule est plein de mitochondries qui sont prêtes à fournir l'énergie nécessaire pour tout le bordel qui va passer de une cellule d'œuf à toi. Donc merci maman pour mes mitochondries. Ok, donc on a l'ADN génomique dans le noyau qui provient de papa et maman, et on a l'ADN mitochondrial de maman. Bon, mais c'est quoi cette histoire de bébé à 3 ADN alors? Tout commence par une histoire tristement banale. Un couple de Jordaniens essaye difficilement de fonder une famille. 10 ans après leur mariage, la première grossesse arrive enfin, mais elle se solde par la première d'une série de 4 fausses couches. En 2005, une grossesse arrive enfin à terme, mais le médecin repère immédiatement un problème. La petite est atteinte du syndrome de Leigh,
qui affecte sévèrement le développement du système nerveux. Malheureusement, elle ne survivra que 6 ans, alors que sa petite sœur ne vivra, elle, que 8 mois. Oui, je suis désolée, c'est pas spécialement fun. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, ok, un espoir. Les médecins comprennent enfin d'où vient le problème. En fait, la mère est porteuse saine du syndrome de Leigh, de fait de la mutation d'un gène dans une partie de ses mitochondries. Son ADN génomique, dans le noyau, est parfaitement sain, mais l'ADN d'une partie de ses mitochondries est muté. La mère ne présente pas de problème de santé particulier, mais transmet la maladie à sa descendance. Une solution a alors été proposée par le docteur Zeng, médecin de la fertilité à New York. Il a extrait le pronoyau d'un ovule de la future maman et l'a injecté dans l'ovule d'une donneuse, préalablement débarrassée de son propre pronoyau. Il a ensuite injecté un pronoyau du spermatozoïde du papa par des techniques classiques de fertilisation in vitro, par des médecins en dehors du corps quoi. Il a alors pu implanter un des 5 embryons obtenus dans l'utérus de la mère qui a eu une grossesse tout à fait normale. Et le 6 avril 2016, enfin une bonne nouvelle, un petit garçon est né et il ne présente aucun signe de la maladie. Alors félicitations aux parents et aussi à l'équipe médicale. Après, ça s'est pas fait sans une certaine polémique au niveau éthique. Déjà parce que la technique utilisée est proche du clonage humain. Sauf que pour le clonage humain, on intégrerait dans l'ovule de la donneuse un noyau complet d'un humain déjà existant. Ici, on est plus proche des techniques de fertilisation in vitro, puisqu'on utilise bien les pronoyaux des gamètes du père et de la mère, et qu'on aboutit à un individu complètement unique au niveau de son patrimoine génétique. Une autre critique était le risque élevé d'échec et le gâchis potentiel d'embryons humains. En effet, des expériences similaires avaient été menées en Chine, mais sans résultat, les fœtus ne s'étaient pas développés correctement. À la suite de ça, les manipulations de ce type ont été complètement interdites dans de nombreux États, dont les États-Unis. Pour ce nouvel essai, les procédures ont eu lieu au Mexique, où selon le docteur Zhang lui-même, il n'y a pas de règles. YOLO quoi. Toutefois, il a balayé les critiques en disant que sauver des vies, c'était ça la chose éthique à faire. Ok. Donc si on résume, un scientifique d'origine chinoise, ayant eu son diplôme au Royaume-Uni et travaillant aux États-Unis, a permis à un couple de Jordaniens de faire un enfant au Mexique. Ouais. Mais bon, faut fermer les frontières, hein, ça sera mieux pour la communauté scientifique. En tout cas, les recherches vont pouvoir continuer dans ce domaine puisque l'interdiction a été levée dans certains pays et notamment au Royaume-Uni en décembre dernier. Une autre réserve est la présence de quelques mitochondries comportant l'ADN muté qui ont été injectées avec le pronoyau de l'ovule de la mère. Même si cela devrait être surveillé tout le long de la vie de cet enfant, les premières études montrent que moins de 1% de ces mitochondries semblent touchées, alors que le syndrome de Leigh nécessite plus de 20% des mitochondries avec un ADN muté pour se déclarer. À surveiller donc, mais l'espoir reste largement permis et à ce jour, l'enfant se porte très bien. Voilà, cette histoire se termine sur cet happy ending, j'espère que ça t'a plu, et moi en tout cas ça m'a permis de parler de mes petites chéries. Du coup, désolé, mais les super-héros sont encore loin, donc range tes collants et ton slip fluo dans ton placard pour encore quelques temps. Des bises, à la prochaine. Hey! Hey! Hey salut, c'est Jeanne pour Incellulo.